Je suis tombée par terre. C'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau. C'est la faute à Rousseau. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du célèbre philosophe français Jean-Jacques Rousseau. Bonjour les amis, merci d'être fidèles à Français Authentique et de prendre de votre temps précieux pour regarder une de mes vidéos. Vous avez été très nombreux, lorsque j'ai fait ma vidéo sur le philosophe français Voltaire, à me dire « Johan, super, ce genre de sujet nous intéresse, est-ce que tu pourrais nous parler de Jean-Jacques Rousseau ?» Donc, comme je vous écoute, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Jean-Jacques Rousseau était un très célèbre écrivain et philosophe francophone. Il est né en 1712 à Genève, c'est pour ça que je ne dis pas français, il est né à Genève, dans le royaume de Genève à l'époque, et il est mort en 1778 à Ermenonville, qui est situé à 40 km de Paris. Il a été orphelin très jeune, puisque sa mère est malheureusement décédée 9 jours après sa naissance, et que son père a dû indirectement l'abandonner lorsqu'il avait 10 ans pour fuir parce qu'il avait des problèmes avec la justice. Donc il a été dans un premier temps élevé par un oncle, et ensuite il a pas mal bougé, il a été en pensionnat et il a fait différents apprentissages. Il a été confié à différentes personnes, et il a donc eu une jeunesse, une enfance de ce qu'on appelle errance, où il n'avait pas un point fixe, mais où il bougeait beaucoup et souvent. Lorsqu'il a été plus célèbre et qu'il a publié des ouvrages, il a eu différents conflits avec l'Église, ce qui l'a obligé également à errer toute sa vie. Donc en fait, ce n'est pas seulement pendant sa jeunesse qu'il a dû beaucoup bouger, beaucoup se déplacer, c'est tout au long de sa vie. D'un point de vue littéraire, il a rencontré beaucoup de succès, notamment avec son roman « Julie ou la nouvelle Héloïse » qui a été publié en 1761 et qui a été le roman qui a rencontré le plus de succès au XVIIIe siècle en termes de vente et de popularité. Et il est également très connu pour son autobiographie « Les Confessions » qui ont été écrites entre 1765 et 1770, c'est ça, il n'y a pas d'erreur, et qui ont été publiées après sa mort. Donc c'est ce qu'on appelle des œuvres posthumes. Une œuvre posthume, c'est une œuvre qui a été créée par un artiste ou par un écrivain pendant sa vie, mais qui ne sont publiées, qui ne sont mises à disposition du public qu'après la mort du créateur. Donc ça, c'est quelque chose de posthume. Et une autobiographie, la biographie c'est un livre qui raconte la vie de quelqu'un, et une autobiographie c'est quand quelqu'un raconte sa propre vie. Donc on dit également en français que ce sont les mémoires d'une personne. Donc les confessions, ce sont un ensemble de livres qui représentent son autobiographie, ce sont tout simplement ses mémoires. Donc il y parle de ses sentiments intimes, le mot confession, ça vient de se confesser, et se confesser, c'est avouer quelque chose, souvent quelque chose de gênant, et c'est ce qu'il fait dans ce livre, Les Confessions. Je dis ce livre, mais il s'agit en fait de 12 livres qui ont été regroupés dans différentes collections, et j'ai eu la chance, à l'époque, je ne voyais pas ça forcément comme une chance, parce que ça ne m'intéressait pas énormément, mais d'étudier Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau en 1999, hein, vous le voyez en bas, lorsque j'ai passé mon baccalauréat de français. Donc on passe le bac de français en première quand on fait un bac général. Donc moi j'ai eu mon bac en 2000, mais en 1999 j'ai passé mon bac de français, et un des thèmes c'était les confessions de Jean-Jacques Rousseau. Donc vous voyez, nous on avait étudié le livre 1 à 4, donc qui représente un ouvrage qui n'est finalement pas trop épais. Comme je vous le disais, Les Confessions, donc c'est son autobiographie, et il commence en disant « Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme, ce sera moi. » Donc ça, c'est le tout début du premier livre, c'est vraiment comme ça que commencent les confessions, et on voit déjà d'entrée
qu'il ne... En fait, il dit qu'il n'y aura point d'imitateur, que jamais personne n'a fait ça avant lui, parce qu'il va parler de lui, mais il va vraiment en parler dans... avec toute la vérité et dans toute sa nature. Il dit que cet homme, ce sera lui, et quand il... ce petit passage que je viens de vous lire, ça explique qu'en fait, il va vraiment tout dire, qu'il ne cachera rien. Et effectivement, dans les confessions, il parle de tout, de sa sexualité, de ses rencontres, de choses auxquelles il pensait. Il va vraiment très très loin dans le partage avec ses lecteurs. Jean-Jacques Rousseau est également très connu, d'ailleurs il est plus connu en tant que philosophe qu'en tant qu'écrivain. Et sa carrière de philosophe, elle a commencé en 1749. À cette époque, il y a eu un concours lancé par l'Académie de Dijon sur le rôle de la science et des arts. Et lui, donc, il a participé à ce concours et s'est vraiment violemment opposé à Voltaire et Montesquieu, qui eux deux, Voltaire et Montesquieu, trouvaient la science et les arts très positifs. Rousseau s'est opposé à eux en parlant des méfaits et des aspects négatifs de la science et des arts. Donc il ne disait pas « la science et les arts, c'est pas bien », mais il les voyait de façon un peu moins positive que Voltaire et Montesquieu, et il parlait des points positifs et des points négatifs de la science et des arts. Sa philosophie de base, si on résume la philosophie de Rousseau, c'est qu'en fait, les hommes sont bons de nature, à la naissance les hommes sont bons, la nature humaine est bonne, mais c'est la société dans laquelle ils vivent qui les corrompt et qui parfois les rend mauvais. Et il a développé tout ça dans différentes œuvres philosophiques, en 1750 dans son ouvrage « Discours sur les sciences et l'art », en 1755 dans son ouvrage « Discours sur l'origine et les fondements des inégalités », et en 1762 dans son ouvrage « Du contrat social ». J'ai eu la possibilité d'étudier également dans le cadre de mes études. Et ce dernier ouvrage a eu une grande influence sur la Révolution française, que Rousseau n'a pas eu l'occasion de voir puisqu'il est mort avant, mais beaucoup d'experts disent que cet ouvrage et la philosophie de Rousseau en général a beaucoup influencé la Révolution française et le mouvement républicain français. Donc le fait que les Français ne voulaient plus de roi, ne voulaient plus vivre dans une monarchie où le roi décide de tout, mais voulait vivre dans une république où il y avait des votes, etc. Donc il était pour la démocratie et la république. On ne peut pas parler de Rousseau sans parler de Voltaire et vice-versa. J'avais déjà évoqué le sujet dans ma vidéo sur Voltaire. Il a existé une grande rivalité entre ces deux philosophes très célèbres. Ce sont les philosophes français les plus célèbres de la philosophie des Lumières. J'en avais également un peu parlé dans la vidéo sur Voltaire, mais la philosophie des Lumières, c'est en fait un mouvement littéraire, philosophique et culturel qui a eu lieu dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, donc pas seulement en France, hein, dans l'Europe et le monde entier, où beaucoup de philosophes se sont opposés aux oppressions liées à des faits politiques ou religieux. Et on dit que c'est la philosophie des Lumières, qui a même donné son nom après au siècle des Lumières, qui a permis la Révolution française, qui a permis l'indépendance des États-Unis, etc. Donc on attribue en fait ces faits historiques à la philosophie des Lumières, dont en France, Voltaire et Rousseau ont été des ambassadeurs qui n'étaient pas toujours d'accord. Et quand je dis pas toujours d'accord, c'est un faible mot, en fait ils ne s'aimaient pas vraiment, et ils se sont très souvent opposés par des lettres qui étaient courtoises, polies, mais avec des mots qui étaient quand même très critiques, et ils se critiquaient souvent par lettres interposées. Et tout ça, c'est lié au fait que les deux personnages avaient des visions différentes. Rousseau était contre les inégalités, contre la misère, il pensait que les hommes étaient bons de nature, mais que la société les rendait parfois mauvais, et il était pour la démocratie. Voltaire, lui, il acceptait plus ou moins les inégalités sociales et la monarchie, tant qu'on laissait tranquille les philosophes comme lui, donc une certaine élite. Il n'y avait pas vraiment de problème avec les inégalités sociales, mais par contre, il était pour critiquer durement les inégalités ou l'oppression exercée par l'Église. Donc il était vraiment très rapide pour critiquer l'Église et les inégalités causées par l'Église. Par contre, ce qui était inégalité sociale et monarchie,
il s'en préoccupait un petit peu moins. Donc Rousseau est mort en 1778 dans le château d'Ermenonville. J'ai du mal à prononcer parce que je connais pas bien ce village. Ermenonville, à 40 km de Paris. Il avait 66 ans à l'époque. Il serait mort d'un AVC, donc accident vasculaire cérébral. C'est une hémorragie dans le cerveau. Même s'il y a eu quelques rumeurs de suicide, en fait on ne sait pas trop. Mais la version officielle, c'est qu'il est mort d'une mort naturelle. Et il a d'abord été enterré, puis en 1794, transféré au Panthéon de Paris. Le Panthéon de Paris, c'est l'endroit en France où sont enterrés les grands hommes. Et je vous préparerai une petite vidéo sur le sujet. On ne va pas s'étendre là-dessus aujourd'hui. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et vous a plu. Si vous voulez aller plus vite et plus loin dans votre apprentissage du français, je vous rappelle que vous pouvez vous procurer un des packs de leçons de français authentique. J'ai 3 packs dans lesquels on parle de tout, de culture, de façon d'apprendre les langues. Il y a des discours entre des francophones, donc je parle avec ma femme, je parle avec mon frère. Et j'ai essayé de rendre tous mes produits les plus vivants, les plus intéressants possibles, mais le tout basé sur un système d'apprentissage naturel efficace qui vous permettra d'apprendre à parler le français rapidement et en prenant du plaisir. Pour plus d'infos, il y a les liens en haut, en bas, un petit peu partout ou sur mon site. J'espère que vous rejoindrez les 8500 clients satisfaits de français authentique. Je vous dis en tout cas mercredi pour une nouvelle vidéo. Salut !